Et salut, comment c'est quoi que ça nous serait pour une nouvelle vidéo et c'est que fois pour vous présenter la fête foraine garage de Congrieux. Donc les convois qui sont arrivés depuis hier. Donc je vais vous présenter. Alors là on commence avec les grandes écotempemeuses qui sont malheureusement pas encore dépliées. Donc voilà, il y a tous les convois qui sont arrivés depuis hier. Voilà. Donc comme tous les ans, ils viennent. Ici, on a encore un manège, enfin une nouvelle activité qui vient tous les ans. Là, enfin pas tous les ans, parce qu'en fait, si c'est nouveau, ça vient tous les ans. Ici, on a le jeu des canettes. Donc en fait, le jeu des canettes, vous avez des pistolets, vous devez tirer sur des canettes. Donc ici, on a le stand de manger qui est tous les ans là. Ici, on a un mini parcours qui est aussi tous les ans là. Donc ici, on a la tire de la carabine qui est dépliée. Après ça, ça se déplie assez vite, on peut dire. Donc voilà. Ici, on a bah maintenant, je sais le nom, il y a marqué. Alors, la voile au pouce, la voile rouge, voilà. La voile au pouce rouge, je vais dire. Alors ici, on a la voile rouge, voilà. Donc maintenant, j'arrive à le dire, le nom, donc qui est déplié. Alors ici, il y a marqué le budget. Une peluche à chaque joueur. Voilà. Donc tous les manèges sont dépliés presque. Donc voilà. Ici on a la pêche à la ligne qui est encore pliée, enfin pas pliée, enfin dépliée plutôt. Donc depuis hier. Ici on a le manège qui tourne. Donc le Pélémeré, voilà, je sais le nom. Ici, on a les petites écotempemeuses qui sont dépliées. Ici, on a des pinces. Et ici, on a le Rivera jeu, donc le casino qui vient tous les ans. Et ici aussi, on a le toboggan. Et ici, on a le trampoline. Donc qui vient tous les ans. Et puis bah voilà. Bon bah j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, c'est Kekwetzel. Je crois que j'ai oublié de vous présenter un truc, le parcours. Donc voilà, qui est là-bas, multicolore. Enfin si, en fait je voulais le présenter, mais bon, je préfère vous le présenter une deuxième fois. Donc voilà, alors là aussi on a la classical game. Puis bah voilà, en tout cas, par contre on a vraiment fini la vidéo, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est Kekwetzel. Ciao ciao.